couplage numérique qui permet de scanner des objets et ensuite on les met, on les anime, on crée tout un décor, etc. C'est un film qui s'appelle Mainstream Memory, donc qui parle de la question du flux, des échanges, des câbles sous-marins, et dans une sorte de cycle infini du déplacement des objets, de leur statut, qu'ils soient des objets archéologiques ou des déchets rejetés par la mer et par le... C'est un vrai geste qui a été construit autour d'une, voilà, encore une fois, d'une espèce de mythologie sous-marine, subaquatique. Et même l'affiche qui est derrière moi a été construite un peu comme une affiche de cinéma pour ça. Gargaréon est la dernière installation artistique pour Hugo Chiavi qui nous révèle un travail basé sur le patrimoine arlésien où les gargouilles, dont l'artiste a utilisé les formes, s'offrent une place de choix au cœur du musée Réattu. Entre moulages, sculptures hybrides, empreintes de rochers imaginaires, le plasticien nous accompagne dans ses œuvres polyformes. D'archéologie subaquatique qui s'appelle Ipsofacto. Oui, bon, après, je pense qu'on n'a pas besoin du film pour savoir que l'activité. D'empreintes dans l'espace public, etc. Chose qui est en train d'évoluer beaucoup, vous l'avez vu. Mais ici, c'était pour revenir aussi un peu à mes premiers amours, si je veux dire. Mais ici, encore de façon très différente. D'abord parce qu'on joue vraiment avec la hauteur. Ici, j'ai ramené, évidemment, vous l'avez vu, l'élément qui est l'eau. Pour la première fois, on l'a vraiment.